Allez, on essaye de faire tourner cette fois-ci côté Clermontois, de pas allonger mais de jouer court. Je ne sais pas si à la pause fraîcheur, Johan Garcia a rappelé les fondamentaux. Attention avec Magnin, c'est bien joué. Le centre, c'était le deuxième poteau pour Jim Alevina. Qui bataille avec Mathias Pereira-Lage. Finalement, ce ballon qui va revenir dans le pied à Véronée. Non, le bon travail défensif de Mathias Pereira-Lage qui presse bien, qui peut récupérer ce ballon dans de parfaites conditions pour les Clermontois avec Jason Berthomier. Berthomier qui combine avec Alevina, le centre d'Alevina, retrait pour la Sénendiaï. Et finalement, Alassane Ndiaye qui ne peut toucher ce ballon. Opportunité une nouvelle fois pour les Clermontois. La troisième, la deuxième en quelques instants là pour les Clermontois qui se font de plus en plus pressants sur les buts à Véronée. Albert vers Alassane Ndiaye dans la surface de réparation. Bien repris l'attaquant ouais. Clermontois et qui obtient un pénalty. Il a touché le ballon de la main, le défenseur de Rodez. Sur son tacle, hein, c'est ça ouais, Laurent. Exactement, après avoir récupéré le ballon. Allez, Berthomier. Pas de gauche, et c'est parfait, contre-pied, et l'ouverture du score pour les Clermontois à la 40e minute de jeu. Allez, pas de hors-jeu, Jason Berthomier qui va pouvoir jouer derrière lui avec Gomis, le 1-2 avec Alassane Ndiaye, non finalement c'est Jason Berthomier qui remet vers David Gomis, la frappe de Gomis, l'arrêt ruthénois. Kimsi Soko qui allonge. Vers Lévina, Lévina qui va avoir une opportunité, le 1 contre 1 pour Lévina qui efface le gardien ruthénois et qui va marquer 2-0 pour Clermont, but de Jim Lévina.